Bonjour Monsieur Davier. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Triathlon Académie Montluçon, le TAM. Très bien. Raccourci, donc voilà. On nous connaît aussi sous le nom des Blancs et Rouges. Très bien. Bon. Et vous êtes aujourd'hui présent à l'étang de Sceaux pour présenter votre activité. Oui. Alors, on présente donc notre club de triathlon qui compte un peu plus de 112 licenciés. Oui. Et qui a une école des jeunes qui est aux environs de 30 jeunes entre 7 et 12 ans. Très bien. Et nous avons le plus fort taux de participation féminine de la région Auvergne en triathlon. Donc un club qui marche très bien. C'est un club qui marche très bien puisque nous sommes un jeune club qui est issu de la séparation d'avec Montluçon Triathlon puisque nous avons eu des différends au sein du club Montluçon Triathlon et des différends suffisamment sérieux pour que malgré les inconvénients, on décide de se séparer et de remonter un club en partant de zéro. Ça veut dire la première année, zéro subvention de fonctionnement. D'accord. Donc c'est un problème pour nous, puisqu'actuellement nous avons à peu près 8000 euros de fonctionnement et nos collègues qui sont restés à Montluçon Triathlon ont bénéficié de l'antériorité du travail qui avait été fait et sont aux alentours de 40 000 euros, 35 000, 40 000 euros de subvention. Donc on peut considérer que vous êtes obligé de fonctionner en faisant très très attention aux finances. Tout à fait. Nous avons une gestion très serrée. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir des résultats. Chaque euro investi doit rapporter de façon... Claire. Mais ça ne vous empêche pas, par ailleurs, d'avoir de bons résultats. Non, ça ne nous empêche pas. On développe deux choses. On développe d'abord le sport santé loisirs. Ça nous semble très important que le sport serve aux gens à être bien dans leur peau, à être bien dans leur corps et à acquérir des acquis comportementaux, comme on dit, importants dans la vie sociale, dans la vie scolaire, dans la vie de tous les jours. Donc nous avons des valeurs éducatives et auxquelles nous sommes très attachés. Hein, on respecte les gens, on ne se croit pas les plus forts, on est modeste quand on gagne, on perd avec bonne humeur si possible. Hein, voilà. Toutes les valeurs du sport, toutes les valeurs. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Voilà. Très bien. Et puis on a aussi une équipe compétitive donc, qui a monté en puissance au fur et à mesure et donc qui actuellement a été en finale de Détroit où nous avons fini 6e sur 19. Bon, pas suffisant pour être pour passer en D2, mais on est sur la bonne voie. Donc on continuera l'an prochain en essayant de modifier un peu nos façons de faire de façon à pouvoir passer ce barrage. Et puis vous améliorez un peu. Et puis vous améliorez encore un peu. Et puis nous améliorons encore, ben c'est le but du club. Hein. Donc là, on essaie de progresser. Alors chez nous, on n'est pas obligé de faire les trois disciplines parce que vraiment, on essaie de faire en sorte que les gens viennent pour plaisir, pour la santé. Notre obsession, ce n'est pas le podium. C'est que les gens soient au départ bien. Donc on a une base très large. Si on prend les vitesses de course à pied, on va avoir des vitesses de course à pied de gens qui ont débuté à 6-7 km par heure et qui sont d'autres qui sont aux alentours de 20 km par heure. Oui. Pour dire que chacun a sa place et que personne ne va regarder celui qui court moins vite d'un regard condescendant en disant non, c'est pas ça du tout notre état d'esprit. Très bien. Donc tout le monde a sa place, tout le monde peut venir essayer, c'est la chose qu'il faut faire, et voir qu'on peut progresser. Donc ceux qui n'ont pas le temps font qu'une discipline et qu'une partie des entraînements, puis ceux qui veulent s'investir un peu plus ou qui peuvent s'investir un peu plus feront les trois disciplines et les quatre créneaux d'entraînement qui sont disponibles dans la semaine. Très bien. Vous avez enregistré des adhésions aujourd'hui? Des adhésions aujourd'hui, oui. Très bien. Donc oui, nous sommes très contents parce que ça a été des adhésions à la fois de gens jeunes, pour ne pas dire très jeunes, et des adhésions de gens sportifs confirmés. Donc vous êtes sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. Je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. Encore. Et bonne fin de journée.